betterave avec un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. On va se régaler. Voilà. Sur ma plaque de cuisson, la pâte pour les langues de chat. Je suis en train de rincer mon truc en même temps. J'ai mis ma plaque pour. J'ai préparé ma plaque pour les langues de chat. Je vais les mettre au four. J'ai juste tout mélangé au robot, tous les ingrédients en une fois. Et j'avais trop de. Ça faisait des petits morceaux, donc je pense que c'était des morceaux de beurre qui n'étaient pas assez mous. Donc du coup, je les ai passés dans mon blender. Comme ça, j'ai pu les verser directement sur la plaque. D'ailleurs, ça se voit. C'est pas super joli, mais bon, c'est pas trop grave. Et voilà, je vais mettre. Ne faites pas comme moi quand vous faites des langues de chat. Je les ai mis trop près à des autres. Et du coup, bah, voilà. C'est une grande langue au lieu d'être des petites langues de chat. Donc tant pis, bon, je pense que ça sera bon quand même, c'est juste que du coup, bah, il va falloir que je les découpe, je suppose. Tant pis.